nous sommes là pour justement contester les élections qui se sont passées le 20 avril, où M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, s'est proclamé gagnant, alors que c'est à l'envers de tous les résultats. Il n'a jamais gagné les élections, il est venu par la force armée et il doit partir avec une force d'ailleurs armée qui n'est pas une armée nationale, mais une armée constituée par lui-même avec des étrangers. L'armée nationale doit prendre ses dispositions pour protéger la population congolaise. Et la population congolaise, dès mardi, comme l'a appelé Jean-Marie Michel Mokoko, la population congolaise doit être dans la rue pour revendiquer sa victoire. Le peuple sera dehors. Le peuple va se battre pour reprendre ses droits, pour reprendre sa liberté, quoi qu'il en soit. Donc, qu'il n'espère pas que nous allons lui laisser encore le temps de briguer un autre mandat, un mandat de tricherie, un mandat où les populations, il ne fait que tuer les populations, il ne fait que les massacrer, il a escroqué l'État depuis longtemps, il a créé un parti famille au Congo-Brazzaville et ses enfants ont le droit partout, ils ont la main sur l'économie congolaise. Nous n'avons pas d'hôpital, nous n'avons pas d'école. Enfin, nous en avons, mais sauf que malheureusement, la population congolaise, aujourd'hui, ne profite pas de ces déniers publics. Il est hors de question qu'on le laisse, donc le peuple sera dehors et qui ne rêve pas qu'il pourrait rester au pouvoir avec un trafic pareil. Aujourd'hui, nous sommes très éveillés, nous sommes debout à la verticale et nous allons jusqu'au bout pour la victoire finale. On ne peut pas voler une victoire à un peuple debout. Nous faisons une révolte pacifique. Maintenant, s'il veut utiliser la force, il utilisera la force contre les 4 millions d'habitants qui sont au Congo là-bas. Mais il est hors de question qu'il prenne, quoi qu'il en soit, qu'on lui laisse le pouvoir. Ce n'est pas possible. On va y aller, on serait dehors et il partira. On le fera partir rien que par des mouvements.